Martial Bétirac, ex-MMA, son regret, j'aurais dû rejoindre Cyril Hanouna. Martial Bétirac ne fait pas dans la langue de bois. Interrogé par Télé Loisirs à l'occasion d'une nouvelle interview sans filtre, l'ex-animateur du MMA de NRJ 12, remplacé du jour au lendemain par Iyam Noor en octobre 2016, a révélé qu'il avait un regret concernant sa jeune carrière à la télévision. Il n'aurait jamais dû décliner une offre alléchante de Cyril Hanouna. Ça fait 2 ans que l'on s'appelle, 2 ans que l'on doit faire des choses, mais ça n'a jamais été le bon moment, a d'abord déclaré celui que l'on pensait apercevoir dans TPMP à partir de septembre dernier. Et l'ex-candidat de Nouvelle Star d'admettre, j'ai décidé de rester sur NRJ. Tu parlais de regret tout à l'heure, c'est peut-être en y repensant un regret. J'aurais dû partir. Cyril Hanouna m'a appelé le jour où j'ai fait ma première émission, le soir même il m'a appelé pendant 45 minutes. Il avait adoré comment j'avais animé, il m'a dit si t'es chaud pour venir, je te mets partout, à la radio, partout. Il m'a même dit, tu vas animer TPMP le vendredi. Cependant, Martial reconnaît qu'après son éviction de NRJ 12, la proposition n'a pas forcément été renouvelée. Pour vous dire la vérité, à ce moment-là, j'ai pas eu tellement de nouvelles. Le truc m'a échappé un petit peu des mains. Il y a eu un moment l'idée d'aller chez Julien Courbet, puis ils ont changé le concept pour l'été, il y avait la polémique avant, et mine de rien j'étais étiqueté NRJ 12, a-t-il avancé. Espérons que 2018 apportera de nouveaux projets télé au talentueux Martial, avec Cyril Hanouna.